Radio. Hit Radio. Hit Radio. Momo Morning Show على إذاعة Hit Radio مباشرة من الكوت ديفوار et مباشرة معايا الصباح Hervé Renard. Je vais t'applaudir tout seul parce qu'il n'y a pas mon équipe, ils sont au Maroc. Je vais t'applaudir et ils vont t'applaudir aussi. Hervé, صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. Ça va Hervé. خير. لاباس عليك. Tout va bien. كل شيء بخير. صحة لاباس. مرحبا بك معنا اخويا Hervé. En tout cas, tu es très apprécié. Vraiment, tous ceux que j'ai croisés, ils m'ont dit. Hervé, il y a quelqu'un qui m'a dit ce matin, il m'a dit Hervé, c'est un ivoirien. Hervé, pour nous, il est ivoirien. Il n'est pas français, il est ivoirien. Hervé, j'ai des messages pour toi. Il y a des gens qui veulent te parler ce matin. Il y a beaucoup de personnes qui veulent te parler ce matin. On va écouter la musique que tu aimes, que tu adores. Et demain, c'est un grand moment. Hier, on s'est vu, on s'est pris en photo. Et tu m'as dit une phrase qui m'a mis à l'aise. Tu m'as dit, tiens, souris, relax, no stress, parce qu'il faut être relax. Et ça, je me suis dit, bon, si l'entraîneur, il me dit ça, si le sélectionneur, il me dit ça, moi, je suis tranquille, je suis cool. Et c'est vrai. Et toi aussi, tu étais dans ce mood-là. Je t'ai vu hier, tu es relax. Tu n'es pas en mode stress, tu n'es pas en mode... ça va. C'est un peu la même chose que toi quand tu viens à la radio. C'est, tu ne viens pas avec du stress. Après, tu as un petit peu d'inquiétude si tu n'as pas résolu un petit problème, si tu essayes de faire le maximum, mais t'as confiance en toi et puis c'est une passion. C'est vrai. Tu viens pas là par nécessité seulement, tu viens là par passion et on sent quand tu parles, quand tu animes tes émissions, tu le fais avec ton cœur. Moi, c'est la même chose. Donc demain, c'est un match extraordinaire. J'aimerais surtout ne pas être à la maison dans mon canapé plutôt que d'être sur un banc de touche pour un match comme ça. Donc c'est une chance. Très bien. Bon, en tout cas, on est impatient de... T'es impatient ou t'es... Parce que tu sais, parfois la vie... Il y a des choses qui sont comme ça énormes. Tu sais que bon, parce que c'est quand même, c'est le match de demain, c'est à part le foot, c'est la joie d'un peuple, le peuple ivoirien, le peuple marocain. Le peuple marocain, ça fait 20 ans qu'on n'est pas parti à la Coupe du Monde, ça tu le sais très bien. Donc, t'es comment ? T'as envie que ça arrive vite ? Ou t'as envie que ça se retarde ? T'as envie que ça se joue bien ? T'as envie de quoi demain ? Non, j'ai envie que ça arrive normalement, que le temps passe comme il passe normalement. On va se préparer tranquillement. Après. La seule chose que j'espère, c'est que comme il y aura beaucoup de supporters marocains, tout se passera bien entre les deux camps. Oui. Voilà, c'est la seule chose dont on peut espérer. Après, on va combattre sur le terrain. Et super. Ça, c'est le football. Très bien. Le moral de l'équipe, bon ? Il est extraordinaire. Hein. C'est vrai. Hein. Grosse discipline, parce que moi, je suis dans le même hôtel que vous, et les joueurs, on ne les voit pas. Mais rien. Voilà. Ils descendent, le bus, entraînement, le bus, l'hôtel, en haut, et personne ne rentre, ils mangent en haut, en plus, c'est ça. Vous mangez ensemble, téléphone interdit pendant que vous mangez. Ouais, c'est ça. Hein. Bon, c'est des règles de collectivité. Et puis après, on n'est pas là pour passer notre temps dans le lobby avec beaucoup de gens autour. Ouais. On est là pour se concentrer, rester tranquille. Ils sont habitués aux grands événements, comme les joueurs ivoiriens d'ailleurs. Donc, ils savent ce qu'ils ont à faire. Je pense qu'il n'y a pas besoin de leur rappeler toutes les secondes ce qu'ils ont à faire. Ils savent qu'il y a tout un peuple derrière eux et que ce peuple attend qu'une seule chose, c'est la qualification. Tu as bien dormi cette nuit ? Moi, je dors toujours bien. Parce que moi, j'ai mal dormi et j'ai rêvé de toi. Je te jure, j'ai rêvé de toi, j'ai rêvé du match, j'ai rêvé du résultat, j'ai rêvé de la sortie du stade, de l'entrée du stade, j'ai rêvé de tout ça. Et je me suis dit, mais j'ai jamais stressé autant pour un match, la vérité. Jamais, je stresse pour le match. Je suis très excité, je suis stressé pour le match. C'est énorme. C'est un mélange d'excitation et de stress en même temps. Parce que forcément, il y a deux résultats possibles. Donc on se pose toujours quelques petites questions. Mais il faut surtout penser à une chose. Moi, j'aurais une petite thérapie, c'est... Penser à ce qui va se passer si jamais on obtient la qualification, ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Très bien. Mais tu restes si on passe. Tu restes. Moi je suis. Parce là. Que toi t'as l'habitude, chaque fois que tu gagnes, tu hop, absolument. Non mais il y a la coupe du monde à faire. Voilà, c'est ça. Hein. Non parce que tu as gagné la CAN avec la Côte d'Ivoire. Tu as dit bon les gars, on a gagné, c'est bon. Moi Baraka Aliya, un autre challenge. Donc tu restes, Endak. Donc tu nous fais, ouais, écoutez, bon, je vous ai qualifié, maintenant, trouvez-vous quelqu'un d'autre pour continuer l'aventure. Le challenge, c'est de faire une Coupe du Monde, c'est important. Et si on passe pas, il se passe quoi ? J'ai jamais envisagé ce cas de figure, donc... Donc, bah, on va pas l'envisager, c'est pas la peine. J'ai un message pour toi, parmi les humoristes que tu adores, qui te font rire, c'est qui, celui qui te fait rire le plus en France ?
Bah, il y en a un qui est d'origine marocaine, c'est Gad, oui. C'est Gad. Il a un talent exceptionnel, oui. Alors Gad, il a un message pour toi, Hervé, spécialement pour toi. Ce message, il l'a enregistré aux États-Unis. Il est en tournée aux États-Unis. Juste avant son départ, il partait à Montréal. Il t'a enregistré ce message. Bonjour, ici Gad Elmaleh. Ceci est un message pour Hervé Renard. Et il s'adresse aussi à l'équipe nationale de mon pays. Cher Hervé, d'abord, je tenais à te féliciter pour le travail que tu as fait avec notre équipe. Mais surtout, t'envoyer des bonnes ondes, de la force, du courage pour cette rencontre de samedi qui, j'espère, Inch'Allah, sera une victoire pour nous, pour le Maroc. Hervé, t'es le renard, le lion, c'est qu'on rage là. Dès que le renard devient un petit caniche, le lion devient le chat. Et même si ça arrive, en face, il y a des éléphants. Alors, c'est pas grave. Mais, Alors, le haut de la fin, c'est... il est fort, hein, pour... Ouais. Non, mais c'est... Ah, il a des qualités, il a du talent. Ouais. Hein, non, mais lui aussi stress. Il m'a dit, je l'ai eu hier, il m'a dit tiens, mon courant de tout ce qui se passe. Voilà, et je veux savoir tout ce qui se passe, comment ça va se passer et tout ça. Toi, tu écoutes beaucoup de musique, Hervé. Ouais, t'es un fan de musique. En plus de musique branchée, c'est pas du commercial, mais aussi des choses pointues. Mais j'essaye de chercher autre chose parce que. Il m'arrive de passer des heures à écouter de la musique bien forte, ouais. Un matériel assez pointu, donc voilà, c'est mon plaisir, je regarde pas de films, je regarde des matchs et j'écoute de la musique. Très bien, bon, qu'est-ce que tu veux qu'on écoute dans un instant? Tu veux qu'on écoute quoi? Qu'est-ce que tu m'as donné quoi? Tu m'as donné... Le Kaza, c'est Mikasa. Ça Le Mikasa, ça c'est... Sud-africain. Très bien, le Mikasa, Nana, très bien, on va écouter ça dans un instant, parce que comme tu m'as donné un titre qui est vraiment pointu, là, il y a une équipe qui bosse en ce moment, qui cherche Mikasa, qui fait des choses, qui travaille bien. Je vais te faire le portrait marocain, et j'ai envie de savoir si tu t'es bien intégré au Maroc. Est-ce que tu parles d'Alger un peu? Chouïa. Quel niveau? Chouïa, Labès, Bekher, Saba, Salabès. Kouchi, Bekher, Barak Laoufik. Barak Laoufik, donc ça c'est bon, très bien. On va faire le portrait marocain. Mzian, Kouchi Mzian, très bien. Radine, j'ai envie de te faire une interview, Hervé. Je t'ai préparé une interview renard. Ok? Je m'attends à tout avec toi. J'ai envie de savoir, est-ce que tu as la même qualité qu'un renard? Ok? Qu'un vrai renard. Est-ce que Hervé Renard, comme le renard, tu t'adaptes rapidement? Parce que les renards s'adaptent rapidement. Est-ce que toi, tu t'adaptes rapidement? Très rapidement. Bah oui, parce que tu as fait le tour là. Je peux changer de terrier du jour au lendemain. Très bien. Et le Maroc, ça s'est passé bien? Je pense que c'est facile de s'intégrer au Maroc. Ouais. Je sais que quand t'es arrivé, on t'a dit « Ouais, tu sais, Hervé, il y a beaucoup de Français qui habitent au Maroc, on va te les présenter. » Tu as dit « Non, moi, je veux pas faire la connaissance des Français qui sont au Maroc. Moi, je veux faire la connaissance des Marocains qui sont au Maroc. » C'est de ça dont t'avais envie. Oui, mais c'est partout la même chose dans chaque pays où j'ai vécu. J'ai vécu dans 9 pays différents à l'étranger, en dehors de la France. Et si on s'imprègne pas de la culture locale... Bah, on reste en France, ça sert à rien de voyager alors. Qu'est-ce qui t'a marqué au Maroc? Moi, ce qui me marque au Maroc, c'est le développement du pays, les infrastructures, parce que j'ai beaucoup voyagé en Afrique, j'ai beaucoup travaillé en Afrique, et il y a un contraste étonnant, parce que ça avance, il y a des infrastructures qui sont dignes parfois de Dubaï, de l'Europe, tout ça. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire de vivre en Afrique et d'avoir les mêmes infrastructures que dans des pays ultra développés. Très bien, donc ça bouge pas mal. Est-ce que Hervé Renard, comme le renard, parce que le renard il a un régime alimentaire varié, il mange de tout, il n'a pas de souci. Est-ce que toi tu manges de tout? Est-ce que tu manges tout? Moi je mange de tout, mais strict. C'est-à-dire? Pas d'excès ou une fois de temps en temps, mais pas d'excès. Tu as quel âge? Tu as 48 ans? 49 ans. Et c'est un qui je dis que vraiment t'es en forme, donc c'est ça, c'est l'alimentation et le sport, parce que tu fais beaucoup de sport. Le sport, c'est une hygiène de vie, c'est un équilibre, j'ai besoin de ça pour être bien dans ma tête. Très bien. Et tu fais combien, c'est footing, tu cours beaucoup? Oui, je cours beaucoup, je fais du renforcement musculaire, on va dire, 5 fois par semaine. Super, c'est très très bien, très bon. Et l'alimentation, qu'est-ce que tu manges pas pour rester bien? Le pain? Les sucreries, pas trop de pain, voilà, les sauces, je suis pas trop de tagine. Pas un grand adepte de... Si, j'aime bien le tagine, mais on peut manger un tagine light. Moi, je connais pas. Alors, au Maroc, on n'a pas le tagine. Nous, on a un super nutritionniste avec l'équipe nationale. Bah oui.
Les tagines sont fantastiques. Ils sont bons. Ouais. Très bien. Comme le renard, Hervé Renard. Alors le renard, normalement, c'est un vecteur de rage. Normalement. C'est un animal qui a la rage. Est-ce que toi, tu as la rage, Hervé Renard? Moi, j'ai la rage de gagner. C'est ça, hein? Mais ça se voit pas trop. C'est-à-dire que toi, tu es tout le temps zen. Je te vois, tu es calme. En dehors. En dehors, c'est ça, c'est la façade, non, c'est ça. Pas sur le bord du terrain. Ah, alors. Mais on a vu. Ouais, on a vu. Là, je change de personnage. En fait, lorsqu'il m'arrive de me regarder, par hasard, je suis même étonné moi-même, quoi. C'est vrai. Je sors du contexte de la vie normale. Là, je suis un autre homme. Ouais. Mais tu dis quoi sur le terrain? Parce que nous, on n'arrive pas. On te voit crier, mais on ne sait pas ce que tu dis. Tu vous dis quoi sur le terrain? Non, mais c'est souvent dans le replacement collectif, dans le don de soi. Quand un joueur ne fait pas assez pour l'équipe, il faut le booster. Et puis, des fois, il faut encourager. On peut rater quelque chose. C'est là où l'entraîneur doit être derrière. Très bien. Je ne suis pas quelqu'un qui... Un joueur rate une occasion, je vais lui crier dessus. Non, je ne suis pas comme ça parce que ça va encore plus l'enfoncer. Ah, par contre, c'est là où je vais lui dire, allez, la prochaine, tu vas réussir. Tu l'auras. Voilà, c'est très bien. Pour encourager. On est là pour manager. Super, ok. Alors, on va faire un truc, rapidement. Alors, moi, j'ai une tenue, ok, de l'équipe marocaine de foot. Je vais mettre la tenue, ok. On va imaginons que, imaginons que c'est le terrain. Imaginons que je joue, qu'il y a un match et que je fais une connerie, ok. Toi, tu es sur le bord de terrain, donc imagine Hervé Renard. Désolé, je ne fais pas de sport comme toi, donc physiquement, on n'est pas les mêmes. C'est vrai que moi, je suis plus jeune que toi, mais ce n'est pas le même physique. Et imagine Hervé Renard que moi, je joue et là, tu te mets en condition, tu es au bord du terrain et moi, je fais une connerie. On n'a pas un ballon de foot? Quel genre de connerie? Je sais ce que tu veux. Je fais une grosse connerie. Toi, tu es sur le bord de terrain. Tu es hors de toi. Et là, tu vas-y, gueule, fais ce que tu veux. Là, je vais faire. C'est comme si je joue au foot. Là, j'ai raté une passe. Allez, Momo, merde, replace-toi. Allez, Momo, donne plus. Encore. Encore. Bon, je suis sur le terrain. C'est plus. C'est encore. c'est chaud. Comme le renard, Hervé Renard. Le renard a l'odorat très développé. Pour demain, qu'est-ce que tu sens quoi? J'aime pas. T'aimes pas les pronostics? Non, parce que ça irrite l'adversaire. C'est ça. C'est de la provocation, donc je reste dans mon. J'ai lu quelques petites provocations de certains Ivoiriens là. Moi, je tombe pas là-dedans. C'est vrai? C'est... Oui, mais ils s'amusent, mais. Qui ont dit quoi? Qui ont dit que? Qui ont donné les résultats? Non, ici, il y a un mot qu'ils allaient nous chicoter. Ah ouais? C'est quoi chicoter? Ça veut dire nous mettre la raclée, quoi. Voilà, c'est bon. On répond pas, on reste zen, on reste tranquille, on verra demain. Vous voyez, les caméramans, ils sont ivoiriens. Vous allez nous chicoter, c'est vrai? Vous avez envie de nous chicoter? Okay. Non, ils ont envie de nous chicoter. Ils ont envie, voilà. Ça, c'est la différence. C'est ça. Ouais. Grosse différence. Hervé, c'est une grosse différence entre envie et le faire. Donc, on va dire un bon match demain. Comme le renard, Hervé Renard, le renard, il a, lui, très, très développé, très fin. Est-ce que tu entends tout ce qui se passe autour de toi, au sein de l'équipe? Est-ce que tu sais tout ce qui se passe? Est-ce que tu es quelqu'un qui suit tout ce qui se passe autour de lui, tout ce qui se dit? Ah bah, je me dois de faire attention au plus de choses possibles. Ouais. Ouais. Maintenant, j'ai un staff aussi autour de moi, un staff qui est exceptionnel, donc je ne suis pas tout seul. Ouais, c'est vrai. Tu as un assistant que tu as ramené avec toi qui est très très bon? Ouais, qui est même plus que très très bon. Ouais. Qui est un assistant, qui est Patrice Baumel, qui est quelqu'un de talentueux, qui est quelqu'un d'exceptionnel. Ouais, c'est génial, très bien. Bon, on va. Alors, il y a des gens qui veulent te parler rapidement, très rapidement. D'abord, je suis un. Moi, alors, qu'est-ce que j'ai pour toi? J'ai Arilena Ara. C'est ça ce que tu voulais aussi? Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est choisi. Ça, c'est. Ça, il faut monter un peu le son. On va monter le son. Il faut le ressentir de l'intérieur. Très bien, c'est ce qu'on va faire tous. D'abord, je suis le portrait marocain de Hervé Renard, Moubacharam, la Côte d'Ivoire. Moi, je suis pas encore sorti ici. Je dois aller où? Parce que je dois aller où? Qu'est-ce que je dois aller voir? Parce que j'ai posé la question. Ah, moi, je suis jamais sorti ici. Alors hier, on m'a fait goûter pour le petit déj. On m'avait fait goûter le. C'est quoi? L'iriki? La tiki. La tiki. Ouais. Tu connais ça? Oui, la tiki, la loco. Mais moi, ce que je préfère, c'est le dégué.
C'est le petit déjeuner, c'est un yaourt assez magnifique. C'est vrai. Et hier, je suis allé à l'hôtel, ils n'avaient pas de dégué. Ah, j'étais catastrophé. J'ai dit, vous avez fait exprès. Hein. Attention, il ne faut pas m'embêter comme c'est, ça. C'est ça. Non, mais non, en fait, Hervé, tu es parti hier à l'hôtel. Tu n'as pas trouvé de dégué, tu étais dégueu. C'est ça ce qui s'est passé. On peut avoir de la dégué pour Hervé Renard et pour moi. C'est, très, c'est bon, c'est consistant. C'est... Ouais, c'est pour moi, j'adore ça au petit déjeuner. Ouais. Très bien, on prend ça. Et on va écouter. Tiens, c'est Harry Léna. Tu connais le nom de la. Tu peux la lancer, Hervé Renard ? Harry Léna Ara. C'est ça. Nenturi. Waouh, c'est très très bon, très bon. Choisi par Hervé Renard. Montez le son. Allez, montez le son. Et un drum amdel chouet, portrait marocain. Et Hervé Renard, Moubachara, من Abidjan. خليكم معنا على إذاعة إيت راديو. C'est relax, mais en même temps, ça te donne envie de. Ça te donne envie de. Voilà. Imagine demain soir la victoire et après cette chanson-là, tu t'envoles. Grave. Et il y a une autre version de la même chanson, ouais. Mais elle dit I'm sorry. Donc à tous les hommes qui font des conneries, quand ils rentrent chez eux, mettez ça à votre femme, vous verrez, vous serez pardonné. Ça marche. Conseil du sectionneur, de Hervé Renard. Voilà, c'est ça ce qu'il faut mettre. Et tu as choisi un autre son qu'on va écouter dans un instant. Ça, c'est pour tous ceux qui sont un peu stressés pour le match, c'est ça ? Ouais, très bien. Détendez-vous. Relax. C'est que du football. Ouais. Tout ira bien. J'adore. Comment tu fais pour être comme ça ? C'est quoi ? C'est le sport ? C'est le... Ouais, c'est le sport. C'est l'expérience. Les finales de Coupe d'Afrique des Nations, voilà, après, avec une certaine expérience. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, je vis le moment avec passion et avec, en me disant, j'ai la chance de vivre ça. C'est voilà, ça, c'est clair. C'est la différence. Parce que là, il y a beaucoup de personnes qui comptent sur toi. Il y a des gens qui vont te parler dans un instant, mais il y a voilà, c'est, voilà,
presque, tu as le destin d'une nation entre les mains, c'est que les gens comptent beaucoup sur toi, c'est énorme comme responsabilité, tu te sens... J'ai tout simplement la responsabilité de la qualification. Jusqu'à présent, la fédération, depuis que je suis au Maroc, tout le monde a fait tout ce qu'il fallait pour me mettre dans les meilleures conditions. Ouais. Mais vraiment, super. À un point très très élevé. Très bien. Les joueurs ont été exceptionnels jusqu'à présent. Donc maintenant, c'est à moi d'obtenir cette qualification. Et si jamais il y avait une mauvaise chose, c'est à moi d'assumer. Très bien. Ok. Bon, tu vas pas t'énerver encore. Parce que tu t'es énervé sur des conférences. Tu as dit, non, je ne vais pas répéter 75 000 fois ce que j'ai dit. Il y a des fois, ouais, je sors un peu. Mais je suis quelqu'un d'entier, moi, quand j'ai quelque chose à dire. T'es sensible. T'es quelqu'un de sensible. Très sensible. Et parfois, dans les conférences de presse, il faut se maîtriser un peu. Mais parfois, c'est difficile. Très bien. Je sais que... Ton rituel, c'est la fameuse chemise blanche. Okay, c'est arrivé par hasard, c'est pas prévu. Quand tu entraînes les équipes en Afrique, tu t'es dit, bon, la seule chose que je peux mettre parce qu'il fait très chaud, c'est la chemise blanche. C'est pour ça que tu mets toujours une chemise blanche. Et par la suite, c'est devenu un rituel, Hervé. Bien sûr. Ouais. Mais il n'y a pas d'histoire incroyable de la chemise blanche. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, est-ce que, Hervé, c'est la même chemise ou t'en as plusieurs? Non, j'en ai plein. Déjà celle de la Coupe d'Afrique 2015, on me l'a arrachée, on me l'a volée. C'est vrai? Ouais. Ok. Et donc voilà, là j'en ai acheté. Elles sont propres, bien blanches. C'est vrai, bien, nickel. Très bien. Plus qu'à repasser. Ok. Est-ce que, alors moi j'ai un. En fait, si demain le Maroc se qualifie, j'ai lancé un défi. J'ai dit si le Maroc se qualifie demain, je réalise ce que vous voulez. Ok? Ça marche? Donc j'ai dit et parmi les demandes que j'ai eues de mes fans, c'est ils m'ont dit est-ce que tu peux récupérer la chemise de Hervé Renard du jour du match? Est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît à réaliser ce challenge? C'est-à-dire que si on se qualifie, tu vas devoir me donner la même chemise, mais sans la laver, sans rien. Moi, je pense qu'on peut faire un truc. Dis-moi. Je veux bien donner une chemise, mais tu l'offres à la plus jolie des Marocaines que tu auras choisi. C'est vrai? Ouais. Bon, on fait ça, c'est bon, c'est deal, c'est très deal. Allez, applaudissements. C'est dealé, ça fait, on fait ça. Mais par contre, si je l'offre à une nana, il faut la laver dans ce cas. Après le match, il faut la laver. Il y a beaucoup de personnes qui veulent te parler. J'ai tous tes titres préférés là. Chauffe, j'ai tout. Mais Andy, Kulchi Moujou. Mikasa Awakina, ouais, Andy. C'est très, très, très. J'ai jamais écouté moi. C'est ça. C'est bon. Mais t'écoutes ça en allant au stade? Ouais, j'écoute ça tout le temps, mais ça c'est son dernier titre, je l'ai vu parce qu'il vient en Zambie des fois, ouais. Mais c'est un artiste exceptionnel. C'est génial, très bien. Bon, on va écouter ça et puis on va écouter le Fally Ipupa. Alors, je vais dans ma quête, Atman. Allô? Atman, qui est là, Khabir Khair, c'est Halabas? Allô? Ouais. الله يحفظك كلشي بخير وموصافا كيدير كلشي بخير اخويا كاين صاد جو كاين صاد اتمنى تهضر مع ايرفي هضر معاه داكور وي بونجور الو ايرفي صافا فوز علي بيان بارفي ميرسي الو تو دابور جو فو فيليسيتي بور اريفا ا سو نيفو اي جو فو سويت ان بون كوراج بور لي ماتش ا فينير ان شاء الله ميرسي جي ان سولمون اون بيتيت كيستيون. Est-ce que vous ressentez l'amour du pays, même si vous êtes d'origine étrangère? Ben, en toute franchise, ça n'a pas été très évident au départ. Et puis là, je sens que ça grandit. Et imaginons que tout se passe bien demain, ça risque de devenir la folie. J'arrive plus à sortir au Maroc. Donc ça devient difficile. Ça va, mais c'est tellement... Ouais, ouais. J'ai toujours l'habitude de dire il vaut mieux ça que de recevoir des cailloux. C'est clair. Ah ouais, bah on préfère tout ça que recevoir des cailloux. Merci beaucoup. Je connais bizarre. Tu m'as marbat. Qui est Simon de Casa Tawa? C'est Mohamed. Oui, bonjour, Momo. Ça va? Non, la chouette. Bichar, je crois que la baisse est. Ça va, tranquille, bac, l'Afrique. Bonjour, Eric. Bonjour, c'est parfait. Ça va, vous allez bien? Ça va, parfait, merci. Alors, j'aimerais vous dire qu'il faut compter sur 40 millions de Marocains et non pas 11 âmes qui vont jouer le match demain.
Et j'aimerais savoir quel est le scénario idéal que vous avez prévu pour le match de demain. Hervé, il a dit que lui, il ne parle pas de ça. Juste te dire et mettre en garde tout le monde, c'est que ça sera un match difficile, ça sera un match disputé, ça sera un match âpre où il y aura des moments parfois moins évidents où il va falloir être fort, il va falloir être solide et puis on espère tous la délivrance à la fin. Très bien, Inch'Allah, ça va bien se passer. Merci beaucoup, Shkolik Bzaf. Shkolik Si Mohamed, Kenza. Bah tiens, Kenza, peut-être qu'il va gagner la chemise. Si on passe. Bonjour, Momo, ça va? Ça va, Kenza, je crois que bien. Alhamdulillah, Rabbi Renard, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Alors, tu veux la chemise ou pas? Tu veux la chemise? Oui, bien sûr que. Oui, bien sûr que je la. Vrai, ça. Très bien, Wacha. Très bien, Wacha. Rima Hervé. Alors. Monsieur Renard, je vous félicite d'abord pour le bon travail que vous avez effectué avec notre équipe nationale. Et ma question pour vous, quelle est la technique que vous suivez pour encourager l'équipe et pour leur monter l'esprit? Parce qu'en effet, ce qui compte, c'est pas gagner un match nul 0-0, mais plutôt de marquer un goal parce que ce sont les finales de la Coupe du Monde, comme vous savez. Moi, j'ai toujours la même façon de procéder. Déjà, je fais beaucoup confiance aux joueurs. J'essaye de les soutenir, surtout dans les moments où ça va un petit peu moins bien. J'ai aujourd'hui des joueurs qui sont très réceptifs, qui donnent le maximum d'eux-mêmes. Il y a des joueurs qui n'ont pas été sélectionnés pour blessure et qui ont souhaité faire le déplacement pour venir voir leurs coéquipiers. Pour moi, génial, ça, c'est des images exceptionnelles. Maintenant, il y a ceux qui n'ont pas été autorisés par leur club, comme Manu da Costa, qui voulait venir, mais son club ne l'a pas autorisé parce qu'il est en phase de reprise. Donc voilà, on forme un groupe, on est solidaire. Il y aura, comme je l'ai dit tout à l'heure, des moments un petit peu difficiles dans le match. C'est là où il va falloir être très fort. Ouais, c'est ça. Je connais Bzaf, je connais Tarifas Bzaf, je connais Kizza, je connais Tien Mrakch. Hervé, je te fais le portrait marocain juste après Fally Ipopa et Loco aussi, c'est ça? Oyo, c'est Oyo? Non, ça c'est Ça va aller. Ça va, ça va aller. Bon, attends, ouais, je te ramène à Ça va aller parce que là c'est une logistique incroyable, tu peux pas imaginer. Hein. Il y a des mecs qui courent. Alors on y va, c'est Ça va aller. Donc ça va aller, et après on va écouter ça. Je te fais le portrait marocain de Hervé Renard. Alors, tu me dis si tu connais, si tu connais pas. Ou voilà. Si tu étais une chanson marocaine, Hervé. On a une chanson qu'on met souvent avec l'équipe, c'est. Je ne me rappelle même plus, mais j'ai oublié. Oui, mais c'est c'est pas une chanson récente, hein, mais je vais la retrouver. C'est Chabi, c'est vieux. Ouais, c'est assez vieux, mais ça donne. Ça donne l'ambiance. Ouais, je vais la retrouver. Mais c'est quoi, c'est un chant de supporter ou c'est une chanson qui. Non, c'est une chanson, mais j'ai oublié le. Tu as oublié le. Mamma Mia, pardon. Ah. Et Mamma Mia. La 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 la. Mamma Mia. C'est bon, ça te met dedans. Hey, Mamma Mia. Bon, tu sais, alors, il faut faire une version. House. Il faut faire une version Deep House. Si t'étais un coin Maroc, une rue, un boulevard, un quartier que tu adores au Maroc, Hervé. La plage de Srirat. Tu t'entraînes là-bas? Ouais. Très bien. Si t'étais une ville marocaine, laquelle? Casa, avec toute la folie que ça comporte. C'est énorme. Hein. Le stade en particulier de Casa. C'est ouf. Hein. Le dernier match, t'as halluciné. Ouais, d'ailleurs, un petit mot, félicitations au WAC Casablanca pour sa victoire en Champions League, à son président, M. Nasseri, et à son coach et à tout son staff. Ouais, c'est génial. En plus, ça fait une semaine de décalage par rapport au match de demain. Voilà. Ça fait vraiment. Pour conclure le travail. Ça avait exactement. Chilikin. Si t'étais un proverbe marocain, tu en connais? Non, pas trop, non. C'est vrai? On me les traduit, donc, mais je ne les retiens pas, sincèrement. C'est difficile. Ok. Et ton proverbe à toi, comme ça, je vais essayer de trouver la version marocaine. Alors, il y a une phrase que j'adore, que tous les Ivoiriens doivent se mettre dans la tête, c'est qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rendez-vous. Demain, très bien. Demain, c'est un rendez-vous. Ok. Hervé Renard, si t'étais un plat marocain? Le tagine de poulet au citron. C'est bon, ça. Citron et avec des olives. Des olives, ouais, ça, c'est merveilleux, ça. C'est génial, ça. C'est très bon. C'est meilleur que
Comment c'est pas à comparer. Hein, commence pas à comparer, c'est vrai. Ne me fâchez pas avec les Ivoiriens. Non, mais oui, ils font une technique là. Ils font... La technique, c'est énorme. La technique de ouais, tout va bien, vous allez gagner, ça va passer. Non, va... Ils font exprès. Ça, fait... ouais. C'est ça, c'est de l'autose hein, pour que l'œil, pour que ça parte. Ok, Hervé, on va écouter. Merci beaucoup, Rojoya. Merci beaucoup d'être passé ce matin. Je suis très content vraiment de te rencontrer, vraiment. Moi aussi. J'ai découvert un mec, un super mec, vraiment. Merci, voilà. Mais on verra demain soir. Non, mais la vérité, je vais te dire, franchement, sincèrement, Hervé, je vais te le dire. Je sais que le foot et le monde du foot, c'est un monde comme notre domaine à nous. C'est impitoyable. C'est impitoyable, tu vois. Tu gagnes, tout le monde est avec toi, tout le monde est content, voilà, les photos, c'est génial, Hervé. Mmh. Tu gagnes pas, tu te qualifies pas, je le savais, je le savais, hein, il est nul. Je sais ça, là. Mais il faut l'accepter. Mais c'est ça, mais je sais, mais moi, je vais te dire, moi, je t'apprécie beaucoup, vraiment, on s'est vu hier, on s'est vu aujourd'hui, je suis vraiment très content de d'avoir fait ta connaissance et d'avoir passé ce moment avec toi. Et qu'on se qualifie pas demain, pour moi, tu resteras le même, j'ai la même vision merci, de toi, merci. Mais vraiment. Merci beaucoup Hervé, c'est à Hervé. Bon, Hervé. Bon, le Fali, il ne peut pas, ça va être compliqué. Donc, on va prendre le Nana. Allez. Le Mikasa. Il est superbe. Il est très bon, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. Montez le son également. Ah, moi, mon tout, ça va. Très, très bon. Fermez les yeux. Voilà. Pour le ressentir. On respire, tout va bien. Tout va bien se passer demain. C'est avant le match, dans le vestiaire, je mets ça à fond. C'est bon, très bien. Et en vrai, on fera un remix Mamma Mia, t'inquiète pas. You don't say much and I hear it all. Dripping with beauty like a waterfall. Oh, I see you approaching, I abide by the law. And that's right, I treat you like a stop sign. Look right, look left, look left. I can't know now, this he goes. Oh, I can't believe this. I take a beauty fight right before my eyes. Too unreal for me, pinch myself to see. Cool, would this be your body? Your body says a thousand words. Your body and your body, body, body. Says a thousand words. Your body.
body, 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 girl, I don't deserve. Magnifique, ça c'est très, c'est, mais tu m'as fait découvrir des chansons, mais c'est génial. Mais moi je vais écouter ça, mais je vais commencer à écouter ça, c'est trop bon. Il y a une autre chanson de Turn You On, or This Streets. On ramène. C'est quelque chose de... De Mikasa Nit. Yeah. Oui, ouais, Mikasa, c'est un Sud-Africain. Magnifique, c'est trop bon, très bien. Turn You On, c'est ça? Turn You On. Très bien, on va ramener ça. Il y a plus de personnes qui veulent te parler, qui veulent te parler avant le match. Si vous avez Sakao, là, c'est le top, ça aussi. Lequel ça, celui d'avant? Non, je t'en ai donné un, Sakao. Là. Sakao, attends, je vais voir si j'ai ça. Sakao. Moi, j'adore. C'est, alors, Hervé Renard, c'est comme l'équipe nationale. Il est venu, il a tout changé. Maintenant, même à la radio, il a tout changé. Tout, hein, la musique, on passe à autre chose. Ce matin. Ce matin, il a... Alors, c'est laquelle? Parce que celle-là... From the Ghetto. From the Ghetto. Très bien, From the Ghetto, j'envoie ça tout de suite. From the Ghetto, on va écouter ça. From the Ghetto. Je connais Radia Drama, Hervé Renard, Sbah, Sefar Khamsa, Tlatin, Tlatin, Tlatin. Pour le match, Sbah Nour. Sbah Nour. Je crois que le Messalik, Bekher. Oui, ça va, Kouchi Bekher. Mahba Khoya, Bekher, Mahba Amin, Sbah Amin. Bekher Amin. C'est ma première au radio, ça me fait plaisir. Mahba Khoya. Premier passage en radio, tu passes à Hervé Renard, c'est la classe, hein, avant un match historique. Ça fait un grand plaisir. Bah, c'est un grand plaisir, oui, bien sûr. Marhaba. Bonjour Hervé. Bonjour, vous allez bien? Super, merci. Ça me fait un grand plaisir de parler avec vous. Vous êtes un grand coach, vraiment un coach qui sait gérer les matchs dans chaque situation. Vraiment, je vous souhaite un très bon courage. Merci. Pour le match de demain, c'est un match de siècle pour tout le peuple marocain. On vous attend vraiment de nous rendre heureux demain, Inch'Allah. On va faire tous la fête. Tout le peuple marocain est derrière vous. Ça me fait vraiment énormément plaisir de parler avec vous. Un bon courage, Inch'Allah, pour demain, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Et merci. Allah. Merci. Je suis allé à l'étude. Je suis allé à Amin. Rahma. Ça va, Rahma? Oui, bonjour. Bekhir. Bonjour. Labas alik. Ça va très bien, alhamdoulilah, vous allez bien? Très bien, couchez bien, Rahma, Sadrima Hervé. Bonjour. Oui, bonjour Hervé, ça va, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Alors moi, je tenais juste à vous remercier pour déjà tout ce que vous faites pour nous. Parce que vous gagnez ou pas, on est toujours contents et fiers de vous. Et en plus, pour demain, je vous souhaite bon courage. Bon, je t'explique, il a fait une grimace, dire « Ouais, Zema, ah ouais, ah bon, ah, wacha ». Non, écoutez, je vous assure, je parle du fond du cœur, c'est pas un compliment, c'est une vérité. En fait, on est vraiment fiers de vous, quel que soit le résultat. En tout cas, sachez que demain, tout le monde va mater le match, que ce soit des personnes qu'ils ont l'habitude de voir ou pas. Et on vous supporte, on est fiers de vous, quel que soit le résultat. Et en fait, vous êtes une personne adorable. J'adore votre sang-froid, j'adore votre sympathie, comment vous parlez. Et en fait, on est vraiment fiers d'avoir un entraîneur comme vous. C'est gentil, Choukran. Wow. Faut que tu saches que tu as fait rougir Hervé Renard. Tu as fait rougir le renard. J'aurai la chemise, en fait. Tu veux la chemise? Je vous garantis. Inch'Allah, ça marche. Bon, je récupère la chemise et on fera... Mais rassurez-vous, je vous assure que tout le monde est fier de vous. Il y aura une ambiance de malade ici. Tout le monde mettra du rouge et du vert. Donc il y a déjà des meetings qui vont être organisés, des cafés partout dans toutes les villes. Donc il y aura vraiment une ambiance. Mais de toute façon, quel que soit le résultat, vous êtes les meilleurs et vous le serez toujours. Merci. Merci beaucoup. Je connais Zav Rahman. Makhleti les Megoul. Quand on entend ça, c'est... Moi, mais je pense qu'il y a une chose, c'est que j'ai pas envie de décevoir tous ces gens, quoi. Ouais. Donc voilà, moi, c'est mon challenge. C'est le challenge de ma vie, quelque part. C'est ça, hein. C'est clair. Hind, ça va, Hind? Oui, bonjour maman, ça va, vous allez bien? Alhamdoulilah, couchi bikhalaïn, marhaba bika Hind. Ça fait plaisir de vous parler, de parler à Monsieur Renard, c'est vraiment un grand plaisir. Merci. Alors moi, je me dis que le travail est déjà fait. Alors tout ce que je souhaite à l'équipe nationale, c'est un très bon match. On espère, comme tous les Marocains et les Marocains d'ailleurs, regarder un très bon match. On aime bien voir les joueurs se battre pour gagner, ça c'est vrai. Mais on fait toute la confiance possible à Monsieur Renard, ça je le dis et je le redis.
parce qu'elle a déjà fait preuve de comment dire, de elle a été à la hauteur plutôt. Elle était à la hauteur plusieurs fois dans plusieurs matchs. On a vu à des matchs qui sont bien joués, qui sont bien tactiqués. Donc tout ce que je lui souhaite, c'est une très 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 bonne chance. Ouais. Il n'est pas du tout évident d'être à sa place. Ouais. Franchement, il n'est pas évident. C'est une chance. On parle, c'est facile de parler, mais d'être efficace, ça c'est ce qui est vraiment difficile. Ouais. Voilà, c'est vrai, ben oui, c'est facile de parler et de bavarder tout le temps, hein. Mais on ne sait pas ce que les joueurs et un entraîneur peut vivre pendant un match. Ouais. C'est vraiment un grand stress, c'est beaucoup de stress, c'est des efforts, donc il se bat vraiment, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Alors tout ce que je vous souhaite, Monsieur Hervé, c'est une très bonne chance, parce que je sais que le travail est déjà fait. Donc là, il reste qu'à vous souhaiter une très bonne chance. On espère vraiment voir un très, très, très bon match. Inch'Allah, je connais bzaf. Merci beaucoup, Hind. Merci. Merci. Ils t'ont coupé la parole. Ils t'ont mis KO. Hein ouais. Bon, je le sais que merci je connais. Beaucoup, merci. Je vous souhaite je une très bonne chance. De tout un peuple. Je te souhaite de voir un très bon match toi aussi, moi. Inch'Allah, Inch'Allah, Yarbi. J'ai la chance d'être en Côte d'Ivoire. C'est une grande chance. Écoute, moi, j'aurais bien aimé être avec vous. Écoute, moi aussi, je suis dans la même galère que Hervé. Je t'explique ce qui se passe. Moi, c'est la première fois que je fais le déplacement avec l'équipe nationale. Ok. Donc si Allah salama ya Rabbi salama, il se passe un truc, en plus j'ai pris des photos, j'ai pris des vidéos, on a fait l'émission d'ici, ils vont dire ouais, c'est parce que t'es parti avec eux, t'es la loose. Qui est mort. Tu es mort, ne rentre pas, tu restes là-bas. Savez, heureusement qu'il traduit du Côte d'Ivoire, je peux rester là. Mais par contre, si, ouais, Inch'Allah. Ouais. Vous êtes vraiment mieux placé que nous au Maroc pour savoir ce qui se passe là-bas. Et monsieur Renard a plus de pression, quoi. Plus que toi et plus que moi au Maroc. Ouais, chouf. Radine, un très bon courage, ouais. Quoi. Merci beaucoup. Choukran Hid, merci beaucoup. Choukran. C'est un appel de Paris. Il y a des gens qui t'appellent de Paris. Wahid. Oui, Momo. Ça va, Wahid, qui est là, Khoya Bekher. Marhaba. Ça va, Alhamdulillah, Bekhalis. Marhaba, Khoya. Bait Sadr Ma, Hervé Renard. Merci, bonjour coach. Bonjour, pas trop froid? Non, ça va. Ça commence à Paris. On vous envoie un peu de soleil, hein, il fait 28 degrés. C'est clair, ouais. Non, ça va, là il fait 13 degrés. Ouais, il fait 12 quoi. Ouais. Il fait chaud, il fait 14. Ouais. Ouais. On sort les t-shirts à 14 degrés à Paris, on sait, on connaît. Ouais. Ouais, Khoya, ouais, Wahid, qu'est-ce que c'est, demain, on va sortir les t-shirts. Demain, on va sortir les t-shirts. On va sortir les drapeaux marocains sur les Champs-Élysées. Ouais. Ah, il faut, hein, il faut. On compte beaucoup sur vous. Demain, de toute façon, vous allez, on va pleurer. On préfère pleurer de joie demain. Et par contre, quand vous allez sur les Champs-Élysées, il faut rester correct. Hein. Ouais. Ok, on peut fêter quelque chose, mais il faut rester correct. Vous restez tranquille. Ça marche, ok, Wahid. Ne répondez pas à la provocation des Français, des fois. Oui, ça, ouais, cool. Non, franchement, il y a beaucoup d'espoir sur vous. On compte beaucoup sur vous. Merci beaucoup déjà pour le travail que vous avez fait, coach. Vous êtes énorme. Merci. Et j'espère la chance, ça sera de notre côté demain. Faut espérer. Très bien, Inch'Allah, voilà. Inch'Allah, Khoya. Choukran bzaf. Choukran. Demain, Hervé, demain, tu fêtes la victoire, normal. Si tout se passe bien, Inch'Allah. Avant, tu fais ou pas? Avant, j'ai un match à jouer. C'est vrai, mais tu as prévu quelque chose? Tu as l'habitude de faire quelque chose après un match, quand tu gagnes un match? C'est le résultat qui dicte ce que l'on fait après. Très bien, ok, ça marche. Donc, je ne prévois rien. Donc, ouais, il ne faut rien prévoir. Non, de toute façon, il ne faut rien après prévoir. Après le 11 novembre, je n'ai rien planifié. Ok, après le 1, ok. C'est le tournant. C'est le, ouais, c'est clair. C'est clair. Le Mikasa, tu voulais. Est-ce que c'est celui-là? Celui-là, c'est ça. Ouais. Très bien. On finit sur ça. On va l'écouter. On va kiffer un renard. Vous allez voir ça en image après. On va kiffer sur ça. On va mettre le son à fond et on va kiffer tranquille. Hervé, merci beaucoup. C'est quoi le programme de ta journée d'aujourd'hui jusqu'à demain? Bah là, je vais aller faire un peu de sport en rentrant. J'ai mon staff qui est parti jouer au football, mais comme je suis là, j'ai pas pu y aller. Merci. Ensuite, on aura le repas à 13h. J'aurai une conférence de presse à 16h45. Ensuite, l'entraînement à 17h30. Ok. On rentrera tranquille, la douche. Ouais. 20h, le repas. Ouais. Ensuite. Plus, toi, tu rigoles pas avec le dîner. Toi, c'est 19h30, 20h, tu manges. Tous les jours.
toujours, c'est ça ? Non, mais on est ensemble, donc on est obligé de respecter des horaires. Ouais. Si celui qui arrive à 20h01, il paye c'est vrai. L'amende. Là, c'est ça. Et demain, c'est quoi le programme de samedi, de la journée du match ? Alors, demain matin, il y aura une séance vidéo sur l'adversaire. Demain matin. C'est-à-dire ? Sur la Côte d'Ivoire. Ok. Ensuite, il y aura une petite marche, un repas. Ouais. Ensuite, il y aura la causerie et le départ au stade et le match. Très bien. La causerie, c'est... Ça dure 35 minutes, 40 minutes maximum. Vous vous posez ensemble et... C'est là où il faut motiver les joueurs. C'est là où il faut donner les dernières directives, rappeler tout ce qu'il ne faut pas oublier dans ce match, le contexte. Très bien. Que les Ivoiriens... Ouais. On va rien dire. Ouais, très bien, merci beaucoup Hervé. Je connais Hervé. Tu feras Hervé Marmat un jour. Oui, la mienne. Il y a la mienne. Moment, ouais. Sitini. Ouais, la mienne. Sitini, j'avais une question à Monsieur Renard. Ouais, très bien. Bonjour. La mienne, elle s'appelle la mienne. Bonjour, Monsieur Renard. Très jolie. Bonjour. Je suis très heureuse de parler avec vous. Je la vois pas maintenant, mais très jolie. Comment tu l'imagines? Vas-y, attends, on va faire un truc. Attends. Comment tu l'imagines, vraiment, Hervé? Vas-y, parle à la mienne. Tu veux parler avec lui? Oui, Monsieur Renard, donc je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui. Baraka, comment tu l'imagines? J'ai une information. Comment tu l'imagines? Posez votre question, ne vous laissez pas perturber. Oui, la donc moi, en fait, j'ai eu l'information qu'une prime sera accordée à l'équipe nationale en cas de qualification. Et du moment où il s'agit d'une somme très importante, j'aimerais bien savoir, Monsieur Renard, à quel point ce genre de promesse contribue à booster la motivation de l'équipe. Pas grand chose. Sincèrement. Les joueurs, ils sont pas dans ce mood, hein. Ils sont pas dans ce délire. Non, déjà, je pense que tout le monde connaît le football. Ils ont des salaires qui sont déjà très élevés. Maintenant, quand on reçoit une prime assez importante, c'est parce que là, on la mérite. Et puis ensuite, on récompense la famille, on récompense ses proches, tout ça. Mais c'est pas ce qui fait aller plus vite sur un terrain. Ça marche. Très bien. Est-ce que c'est pas ça marche. Merci beaucoup, Lamia. Merci. Très bonne question. Merci, Momo. Moi, je paierai pour aller. Merci, Monsieur Renard. Bonne chance. Hein? Moi, je paierai pour aller à la Coupe du Monde. Ça marche. Ouais, en fait, toi, tu paierais pour que demain passe rapidement et pour qu'on se qualifie à la Coupe du Monde comme ça, tu es tranquille. Ça marche. Merci beaucoup, Hervé. Voilà, on va finir sur le. Alors, c'est Hervé, Hervé Renard qui a programmé aujourd'hui, qui a fait la programmation. Tu as été programmateur de Hit Radio. Mikasa, alors c'est la grosse découverte ce matin avec toi, hein, vraiment. C'est génial. T'as pas trouvé Sakao, là? Ils n'ont pas trouvé Sakao. On a trouvé, par contre, Mikasa, Turn You On. Il va falloir qu'on fasse une émission où on va... Mais bien sûr. C'est que de musique. Hein. On fait okay. ça. Allez. Promis. Si on se qualifie. Donc, si on se qualifie, il y a deux choses, il y a deux défis. Premièrement, tu me donnes ta chemise, Justement, je viendrai avec la chemise. Tu viens avec la chemise. Et on fait une émission d'une heure, c'est moi qui fais la programmation, mais tu ne parles pas beaucoup. Hein. Ça va être difficile pour toi, je sais, mais je tu sais. Parles pas beaucoup. Ça marche, merci. C'est promis. Hein. Allez. Attention, c'est filmé, c'est enregistré, c'est tout. Hein. Il y a le. Moi, je tiens toujours mes promesses. Ah bah, j'ai bien vu Orroya, et je sais que même ce matin, en temps normal, tu ne te déplaces pas, tu ne bouges pas. Mais tu es venu, merci beaucoup. Merci Orroya. Merci Hervé. Tsfakazala Hervé, à ce soir.